Salut les filles! Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et on va parler hair. On va parler hair, cheveux. Bref, on passe à la vidéo. Donc comme je l'ai dit, on va parler cheveux. J'ai fait une commande sur le site AliExpress. Vous savez que maintenant c'est mon site favori. Je commande tout et n'importe quoi sur ce site. Donc là j'ai commandé des cheveux qui sont arrivés ce matin. Des HL. Donc ils sont arrivés ce matin. Ils sont arrivés hyper, mais vraiment hyper rapidement. Ils sont arrivés en une semaine je crois. Ouais, une semaine. En général, sur AliExpress, les mèches, elles arrivent vraiment, mais vraiment rapidement. En une semaine, même pas, les mèches, elles sont chez vous. Donc, c'est ce que j'aime bien sur ce site. C'est du bouton, là. C'est bon, il n'y a plus rien dedans. On jette ça et on va parler des cheveux. Donc j'ai commandé, j'ai voulu tester le curly hair. Donc j'ai commandé des curly. Attendez, je vais chercher mon téléphone pour pas dire de bêtises. Je reviens. Donc les mèches que j'ai achetées, c'est des péruviennes et elles ont des vagues. Donc moi on va appeler ça des kinky hair. Donc j'ai pris 3 paquets de tissage. Les 3, ils sont de 22 pouces et j'ai pris une lace frontale et elle était de 20 pouces. Je pensais que le 22 pouces allait faire plus long, mais je me rends compte que le 22 pouces, c'est pas si long que ça. Et oh, et je tiens à rajouter que je voulais prendre du 20 pouces de base. Donc je regrette vraiment pas d'avoir pris du 22 pouces parce que je me serais retrouvée avec un carré. Donc les mèches sont arrivées dans un emballage comme ceci. Donc voici les 3 paquets, les 3 tissages et la lace frontale. Donc je vais montrer les 3 tissages de 22 pouces. Donc voilà comment elle se présente. Elles sont hyper douces. Franchement, elles sont hyper douces. J'aime pas trop la fin. Je trouve qu'elle fait trop fine. La fin, elle est trop fine. Mais la texture, elle est trop bien. Après, au niveau d'ici, je trouve qu'il y a plutôt... Il y a la bandeau. On appelle ça bandeau. La bandeau. Bon, bref. La boule de tissage, elle est assez fournie, donc ça va, j'espère que ça va faire toute ma tête. Hein. Donc j'ai pris 3 paquets, donc je pense que ça va faire toute la tête. Hein. En tout cas, t'as intérêt à faire toute ma tête parce que je vais même pas blaguer avec toi. Donc je trouve que la texture, elle est vraiment très bien. On passe facilement la main dedans. Vous voyez? Mais franchement, j'ai un peu le seum de la taille parce que je trouve que c'est trop court. Regardez, c'est trop court. Je m'attendais vraiment pas à ça, je pensais que c'était... Bon, c'est du bouclé, donc ça perd un peu de longueur. Mais bon, je m'attendais à plus long. Pour du 22 pouces, je m'attendais vraiment à plus long. Donc les 3 paquets, je vais sortir les 3 paquets pour que vous voyez... Pour que vous voyez comment c'est fourni. Voilà. Voilà les 3 paquets. Je trouve que c'est assez fourni. Hein. Franchement, je suis sûre que ça va faire toute ma tête. Plus la lace front, je pense que ça va vraiment faire toute ma tête. Hein. Mon collier, en fait, il est long. Et je l'ai remonté comme ça pour qu'on le voie. Parce qu'on ne le voit pas, donc c'est triste. Mais bon, ça me saoule parce qu'il descend à chaque fois, donc je vais le laisser bas. Bref, voilà ce qu'on obtient. Enfin, voilà ce qu'on obtient. Voilà les mèches et je trouve qu'elles sont... Franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte, mais vraiment hâte de les porter. Par contre, il perd ses cheveux, hein. La bandeau, elle perd ses cheveux, hein. Mais franchement, je kiffe trop. J'ai trop hâte. Bref, je vais vous montrer la...
la lace front. Voilà la lace front. Par contre, la lace front, elle a pas l'air très fournie. Hein. Il y a des trous partout. Il y a des trous partout. Quoi ce délire? Franchement, il y a des trous partout, je comprends pas. Vous avez oublié de mettre des cheveux. Vous en avez enlevé. C'est quoi le problème? Attends, je suis en train de détruire la... Oh, je suis en train de détruire la closure, là. Enfin, la lace front. Regardez ce que j'ai fait. Oh, regardez ce que j'ai fait. Je suis en train de séparer les boucles, là, et... je les ai un peu abîmées. Donc, voilà. La lace front. Je trouve qu'elle est pas trop... elle est pas trop grande, hein. Vous en pensez quoi, vous? Regardez comme elle est fine. Donc, je vais essayer de la travailler, regardez, au niveau de l'avant. Je vais essayer de la travailler au style américain. franchement, j'espère que ça va bien donner et que je vais pas rater, je vais pas me faire des trous partout sur la tête. Mais j'ai trop hâte parce que ça fait longtemps que j'ai envie de tester les curly hair. Et là, je vais enfin tester. Je vais enfin tester les curly hair. Mais je pense, franchement, je pense vraiment que ça va faire toute ma tête. Et c'est trop bien. Oh, regardez, quand je sépare les mèches, elles restent potables. Elles restent super bien. J'aime trop. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je kiffe. Hein. Je suis fan. Je suis trop, trop fan. Donc, j'ai pris une lace front et 3 bundles. Et j'ai payé, écoutez-moi bien, j'ai payé 154,11 €. Est-ce que vous vous rendez compte? 154,11 €. Quand vous allez en magasin, juste... La lace front, elle coûte 100 €. Et plus les 3 bundles, ça coûte 180. Donc, un total de 280. Et là, sur AliExpress, vous avez un total de 154 €. Donc, franchement, vous avez 100 et quelques euros. 126 € de différence. 126 € de différence. C'est vraiment donné. Franchement, si vous hésitez à acheter sur ce site... N'hésitez plus, foncez sur ce site parce que c'est vraiment du top qualité. Franchement, j'aime trop. Et maintenant, je vais acheter que sur ce site parce que j'en ai marre de me faire escroquer. Hein. 160 € le paquet, je dis non. Je dis non. Donc, mes mèches, AliExpress, ils m'ont envoyé des fossiles. En plus, ils sont beaux, j'aime bien. Regardez. Mais la colle, elle colle pas bien. Enfin, je crois même, il n'y a même pas de colle dedans. Regardez ce qu'ils ont mis dedans. Et il n'y a rien qui tombe. Donc, je sais pas comment je vais faire pour coller mes fossiles. Et ils ont envoyé une cape pour mettre sur la tête, là, pour faire le tissage. Mais je vais pas utiliser ça pour faire la perruque, pardon. Elle ressemble à ça. Je crois ça, je vais mettre en dessous de ma perruque. Donc, à chaque fois qu'on achète sur AliExpress, j'ai remarqué, ils envoient toujours un petit cadeau. C'est bien. Et ils ont mis aussi une petite banderole avec toutes les mèches qu'ils vendent sur leur site. Enfin, sur le vendeur, il vend toutes ces mèches. Il vend des Brazilian Body Wave. Ils vendent des Ombre Brazilian Stretch, en gros lisse. Ils vendent des Indian Loose Wave, des Peruvian Stretch, des Indian Deep Wave, des Peruvian Loose Wave, des Malaysian Stretch, des Peruvian Jerry Curly, des Malaysian Deep Wave. Ça, je l'ai déjà dit. Bref, en gros, il vend beaucoup de choses. Et le vendeur, il s'appelle Alimis. Alimis, de toute façon, je mettrai le lien en barre d'infos. Alimis.
De toute façon, moi, j'ai remarqué, je change tout le temps de vendeur. Je change tout mal. Bref. Donc, mon unboxing est fini. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de commander sur ce site. J'espère que les mèches vont pas être bad quelques semaines après. Et j'ai vraiment hâte, mais vraiment très très hâte de tester les Peruvian Kinky Curly. Parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de tester cette coupe. Et là, je suis mais vraiment pressée. Pressée. Donc, on en a fini avec ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao, bisous. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking over.